السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Félicitations à Ayoub Kaabi. C'est un renard des surfaces, hein, il était encore là où il fallait. Voilà, ça se travaille pas beaucoup, ça. C'est un don que certains ont et c'est important pour une équipe. Vous avez eu des interrogations durant ces deux matchs. Est-ce que vous avez été un peu réconforté durant ces deux? Est-ce que vous avez eu des solutions pour ces deux matchs? Ces deux matchs nous ont apporté. Bon, si vous regardez les compositions d'équipe, j'ai pas beaucoup d'interrogations. Après, il faut mettre un petit peu tout le monde sous pression pour garder tout le monde en éveil. Que certains ne pensent pas qu'ils sont sûrs d'être dans le 11 de départ. Vous savez, quand on est coach, on joue toujours un petit peu. Maintenant, il y aura de la concurrence à certains postes, vous pouvez l'imaginer. Et sinon, allez, vous connaissez à 95% la composition de l'équipe avant moi, donc il n'y aura pas de grande surprise. Qu'est-ce que vous avez pensé, monsieur, de la rentrée de Amin Harit, qui a été une très très bonne rentrée? Il a accéléré le jeu, hein, vraiment, on l'a senti. Oui, il est capable de faire de grandes différences à partir du 50e mètre du but adverse jusqu'au 36e mètre. Mais après, il faut être meilleur dans la finition. Je lui dis, je ne vais pas m'en cacher parce qu'on va lui mettre la pression un peu aussi. Quand il est un contre un avec le défenseur, il ne doit pas donner une passe latérale. Il doit provoquer pour aller dans la surface de réparation. Il faut... À un moment donné, être efficace, c'est-à-dire marquer des buts, c'est pas. L'Espagne peut faire un renouvellement de passes énorme, mais eux, ils sont aussi efficaces dans la finition. Nous, il faudrait qu'on soit plus efficace dans la finition. Merci. Un mot sur Younes Belhanda qui fait peut-être l'un de ses meilleurs matchs en sélection. Oh, il en a fait beaucoup, mais vous avez oublié. Les gens sont trop sévères avec lui. Si on est. Vous savez, il y a un joueur qui a quelques jours de vacances, qui arrive pour le premier match de préparation, et là les gens commencent à dire il perd beaucoup de ballons. Oui, il a perdu beaucoup de ballons. Mais je suis allé le voir, je lui dis de toute façon tu gardes ma confiance, tu as perdu trop de ballons, tu le sais, comme moi je l'ai vu, et on est là pour travailler. Et voilà, les joueurs on les invente pas d'un seul coup en claquant des doigts et on n'en sort pas un subitement parce qu'il a une petite baisse de régime dans un match de préparation. C'est tout. Il faut rester lucide dans le football, il ne faut pas de suite aller dans la panique. C'est ce que les supporters font, mais chacun son job on va dire. Sinon, on n'aurait pas de travail. Hein. Merci beaucoup en tout cas. Merci. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.